Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la police belge a annulé ce jeudi la manifestation des militants pro-Nguanda qui devaient marcher contre ceux d'Étienne Tshisekedi vendredi 28 août à Bruxelles. Raison évoquée, empêcher les troubles à l'ordre public dans un contexte du terrorisme en Europe en ce moment. Crise au Soudan du Sud, malgré le énième ultimatum de l'ONU et les pressions des États-Unis, le président Salva Kiir refuse de partager le pouvoir de manière collégiale avec son futur vice-président Riek Machar. Les deux parties devraient donc, selon l'accord, déposer les armes ce vendredi, dont la journée, 72 heures après la signature de l'accord de paix. Information en provenance de la Belgique, d'où nous apprenons que la police belge a annulé hier jeudi la manifestation des militants pro-Nguanda qui devaient marcher contre ceux d'Étienne Tshisekedi le vendredi 28 août à Bruxelles. Raison évoquée par la police de Bruxelles, empêcher les troubles à l'ordre public dans un contexte du terrorisme en Europe en ce moment. Dans l'actualité également, de la clôture assise de la quatrième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la Cour suprême dans la commune de La Gombe, il était question de faire l'état de lieu des résolutions des états généraux de la justice pour l'amélioration de la distribution de la justice en RDC. Le chef de l'État a été représenté par le président de l'Assemblée nationale, Oban Minaku. L'un des volets du programme du chef de l'État, la révolution de la modernité, concerne la modernisation de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Durant 4 jours, en perspective de cette vision, les assises de la 4e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature ont été organisées à Kinshasa. Ouvert le lundi, ces assises ont été clôturées ce jeudi dans la salle Marcel Liaou à la Cour suprême de justice dans la commune de La Gombe. Les modalités de la mise en exécution des recommandations et résolutions des états généraux de la justice en RDC ont été mises en exergue. Toutes vos observations et suggestions devront concourir à l'amélioration de l'image du magistrat et de notre justice si elles sont traduites réellement en actes et en comportement de chaque jour. Pour les ministres du tutelle, les échanges de ces assises ont été fructueux. Je me réjouis très fortement de voir que le Conseil supérieur de la magistrature a examiné en profondeur les résolutions des états généraux de la justice qui vont constituer le socle de notre politique judiciaire pour les 20 années à venir. Les défis à relever ont été répertoriés et les professionnels de ce secteur ont adhéré à la vision présentée par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette session a été la première session qu'il a présidée et nous sentons qu'il est décidé à éradiquer les antivaleurs qui, par-ci, par-là, se font sentir au niveau de notre appareil judiciaire. Vous savez que le président de la République, magistrat suprême, qui veut que ce pays soit un pays où il fait bon vivre, a besoin que la justice soit rendue dans les bonnes conditions. Et puis le gouvernement de la RDC, piloté par le Premier ministre Matata Ponyo, a lancé jeudi à Kinshasa un vaste mouvement de recrutement des jeunes universitaires par le biais de la BCECO à travers les 26 provinces nouvellement découpées. Objectif, collecter des données scientifiques par domaine pour mieux orienter l'action gouvernementale dans les nouveaux territoires décentralisés. Nous sommes dans un hôtel luxueux de Kinshasa où l'on va incessamment assister au lancement d'un projet plutôt intéressant pour la RDC, promise pour système de suivi et évaluation de la mise en œuvre des stratégies de développement au niveau des territoires, avant que l'affaire ne soit décortiquée
palabrons un peu. Les choses sérieuses commencent avec l'arrivée des Matata. Nous voilà déjà à l'étape de la présentation par les coordonnateurs du PROMIS. Oui, la RDC est un vaste ensemble compartimenté en 145 territoires. Et ce sont 145 jeunes recrutés par les BCECO qui signent symboliquement les contrats. Alors qu'attend le gouvernement? Je m'en vais donc m'adresser à ces jeunes pour qu'ils puissent prendre en charge de manière responsable les fonctions qu'ils vont pouvoir assumer. En somme, le boulot de ces commis de l'État est donc de collecter les données en rapport avec les indicateurs de développement au niveau des entités administratives décentralisées. Par rapport à ce que l'État congolais peut attendre de nous, c'est juste donner le meilleur de nous-mêmes, beaucoup travailler et donner des très bons résultats par rapport à notre projet. Je suis affectée dans le territoire de Bolomba à l'Équateur, donc qui est à plus de 360 km de Mbandaka. C'est là que je vais aller exécuter toutes les missions confiées par le BCECO. Le système de suivi va concerner les secteurs comme l'agriculture, la santé, les transports, les infrastructures, l'éducation, l'énergie. Tous les candidats ne devaient pas dépasser 35 ans parce que c'est un travail assez contraignant en termes de circulation. Deuxièmement, nous avons imposé aussi les niveaux d'études qui devaient être les niveaux de licence. Donc ce sont des licenciés, des gens qui sont assez rodés et dans les secteurs de l'économie et aussi des autres sciences en rapport avec le développement. Ces croquis décrit les composantes du projet: collecte des données, gestion, diffusion et renforcement des capacités. Le jeune fonctionnaire iront partout afin que se concrétisent les stratégies de développement dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et puis, lancement par l'association Plus de Couleurs qui a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la discrimination faite aux personnes atteintes d'albinisme en République démocratique du Congo et dans le monde. Le but est de sensibiliser le grand public sur les difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet dont ils sont parfois victimes dans la société. Des albinos et des non-albinos, en tout cas, la cohabitation est donc possible en RDC. C'est d'ailleurs le sens de cette conférence qui marque le lancement du tout premier festival des albinos de la RDC sous la mention Fièrement Ndundu. Plus de couleurs, une initiative qui vise un monde plus uni, une mosaïque où les gens diffèrent par leur couleur de peau, leur religion, mais des différences qui ne doivent pas les séparer. L'objectif du festival étant la lutte pour l'égalité raciale et la défense des minorités. Aujourd'hui, on lance le premier jour du festival Fièrement Ndundu, qui est issu de cette campagne. C'est au fait la résultante de la campagne que nous avons lancée suite à la réaction de la population. Les gens ont aimé cette campagne. Ils ont voulu comprendre ce que c'était vraiment l'albinisme. Ils ont voulu communier avec les albinos. Il fallait leur donner une occasion de pouvoir chasser les idées reçues de façon à poser leurs questions comme il le fallait. En RDC, les efforts considérables sont déjà signalés en vue de l'intégration sociale de cette catégorie de personnes minoritaires, mais pétrie des talents. Aujourd'hui, tous les jeunes savent que si je tombe sur un doudou, j'ai envie de faire la photo parce que j'ai envie de faire fun sur Internet. Et nous, ça nous intéresse énormément parce que du coup, ça casse aussi le côté mythe, le côté qu'on attendait, tu peux pas saluer. Un festival qui se veut riche en activités, aussi bien scientifiques, ludiques que culturelles, avec une marche de l'unité et de la fraternité qui partira de l'Académie de Beaux-Arts à l'Université protestante au Congo, avant sa clôture samedi au rythme de la musique congolaise, avec des artistes comme Alexis Legal et Christian Mouyoli, l'albinos qui a été la révélation du concours musical et de télé-réalité Vodacom Best of the Best, saison 2015. Mais c'est Yann qui devait être là. Et en dehors de la RDC, on parle de la crise au Soudan du Sud. Après la signature de l'accord de paix mercredi à Djouba, les combats continuent au Soudan du Sud. Malgré le énième ultimatum de l'ONU et les pressions des États-Unis, le président Salva Kiir refuse de partager le pouvoir de manière collégiale avec son futur vice-président Riek Machar. Il rejette aussi les modalités d'administration des États d'unité et du Haut-Nil. Les deux parties devraient, selon l'accord, déposer les armes ce vendredi dans la journée.
Et plus loin encore en Grèce, c'est ce vendredi que Vassiliki Touna, premier ministre par intérim, devrait donc faire connaître la position de son équipe. Son investiture a eu lieu jeudi au siège de la présidence de la République à Athènes. Cette femme de 65 ans devient ainsi la première femme à diriger un gouvernement en Grèce, un poste qu'elle occupera jusqu'aux législatives anticipées prévues dans les prochaines semaines. Vassiliki Tanou succède à Alexis Tsipras, qui a annoncé sa démission la semaine dernière en raison des dissensions au sein de sa coalition. Voilà, c'est ici que se referme cette première édition du journal sur Télé 50. Merci de l'avoir suivi. Dans moins d'une heure, retrouvez Valdo Simon-Yamba à la présentation de la matinale.